États-Unis, Trump débloque 12 milliards pour les agriculteurs sous pression. 6 juillet 218. Un fermier de Harvard, Illinois, marche dans son champ de soja, une culture très concernée par la guerre commerciale. Nova Safo, AFP. Cette décision vise à compenser l'impact négatif de nouvelles taxes douanières imposées par certains importateurs aux produits américains. Des taxes qui avaient été décidées en représailles à celles annoncées par Donald Trump. Celui-ci a démarré avec conviction une « guerre commerciale » avec de nombreux pays, peut-être sans mesurer tout à fait à quel point sa base électorale pourrait en être directement affectée. Avec notre correspondant à New York, Grégoire Pourtier, l'administration débloque 12 milliards de dollars, mais cela ne représente en fait que le coût estimé du manque à gagner pour l'agriculture américaine depuis le début de la « guerre commerciale » au printemps. Autant dire que cette mesure n'est qu'un pansement, avec un objectif à court terme, rassuré dans les États producteurs du Midwest, ceux où Trump est si populaire. Cet automne, l'Iowa vendra-t-il toujours aussi bien son soja à la Chine, qui absorbait un tiers de la production américaine mais y applique désormais une taxe de 25%. Et quid des élevages de porc de l'Illinois, maintenant que le Mexique a lui aussi remonté ses tarifs douaniers? Avec le Canada, qui a de même pris des mesures de rétorsion ciblées, ces trois pays représentent 43% des exportations agricoles globales des États-Unis, qui vendent aussi beaucoup de bœufs, de blé ou de lait. Mardi matin, Donald Trump avait tweeté « Les taxes douanières, y a rien de mieux ». Et dans les journées suivantes, il a réclamé, devant des partisans dans le Missouri, d'être « patient » et de « se battre » pendant qu'il négociait de nouveaux accords commerciaux. Le président a encore leur confiance, mais il a intérêt à ce que les 12 milliards alloués portent leurs fruits d'ici novembre. Lors des élections de mi-mandat, les républicains ne peuvent pas se permettre de perdre les circonscriptions les plus rurales du pays.